là là, j'aimerais tellement pouvoir aller à la chocolaterie de Willy Wonka. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai reçu un ticket d'or Wonka. Ça veut dire que je vais pouvoir aller visiter la chocolaterie de Willy Wonka. Oh mais attendez les amis, j'ai eu trop de chance. Hé, hey, Overspace, j'ai obtenu le ticket d'or. Le ticket d'or de Wonka, tu sais, il y en avait que 5 dans le monde. Et grâce à ça, on va pouvoir justement... Regarde, toi aussi tu l'as eu, c'est vrai? Ouais. Mais non, mais c'est quoi cette chance? Oh là là, regardez, il est là, Willy Wonka. Hey. Hey, est-ce que ça va? Ça va, t'es bien? Ah bah finalement, en fait, il n'y a pas eu que 5 tickets d'or. Regarde, il y en a eu 12. Bah écoute, dans le monde entier, on est au moins 8 milliards, hein, donc écoute, c'est pas mal, hein, c'est quoi cette chance? Du coup, grâce à ça, on va pouvoir visiter la fameuse chocolaterie la plus connue du monde, celle de Willy Wonka. Avec le meilleur chocolat. C'est bon, tout le monde est dans le bus là. Attends, pourquoi c'est Gordon Freeman qui conduit là? T'as vu que c'est qu'est-ce que c'est que ça? On y est là, tu crois? Oh, un champ de force invisible nous empêche d'avancer. Ah ouais, ça c'est le champ de force Wonka, ça. C'est fait avec du sucre et tout, je connais. Ok, je regarde s'il y a personne qui nous observe dans la forêt par hasard. Donc là, on a été les fameux gagnants, les 12 gagnants. Donc je vous rappelle que pour obtenir un ticket d'or, les amis, il faut acheter une barre de chocolat Wonka et dedans, vous avez très peu de chances de trouver le ticket d'or. Exactement. Ou rien du tout. Hein, c'est ça, par contre, vous avez plus de chances d'un coup, tu vois. C'est. Voilà. Ok, bon, tout le monde est prêt? Oh, ça va trop être stylé. Allez. Il a équipé sa voiture et tout, l'autre, il est bien. Hey, salut les gars! Eh, vous aussi, ça va obtenir un ticket d'or? Ah, bien sûr! Mais attends, mais où est-ce qu'on est là? Oh, c'est qui? C'est le gamin méchant. Attends, mais c'est trop bien, George. Ça, elle a été sélectionnée comme la gamine méchante. Ouais. Je vais prendre une photo. Oh, et lui, c'est du coup l'enfant le plus populaire d'Internet. Oh, c'est l'influenceur du groupe. Ouais, c'est trop stylé. Ah ouais, c'est vraiment, on est sélectionné. Allez, c'est parti. Direction la chocolaterie. T'avais pas prévu de devoir faire mon sport en même temps, mais bon. Ok, là, c'est où? Ah, c'est à droite? Ah non, c'est tout droit. Ah ouais. Tous les factory. Ok, vraiment vers l'usine. Y a des pneus par terre et tout, je sais pas si... C'est pas un peu abandonné? Waouh, regardez ça. L'usine Wonka. Waouh. Ah, c'est faire. Ah non, bah c'est bon, on peut passer. J'ai déjà trop parlé par où. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Wow. Ah ouais, c'est immense, hein. Ouais, par contre, y a plus le village autour. Ouais, c'est vrai. Ça a peut-être changé. Hein. Regarde, y'a Willy Wonka. Oh, trop stylé. Hey, salut les enfants, et bienvenue à mon usine de chocolat. Waouh. Wonka. On dit cheese. Ah, il fait un selfie avec lui. Cheese. Ah ouais, tellement gênant. Ah oui, ça, c'est la méchante. Hey, monsieur Wonk, monsieur Willy. Ok, les enfants. Vous êtes ici parce que vous avez reçu un ticket d'or. Alors, qui est excité d'y aller? Ouais, moi, je suis content de fou! De fou! Ouais, ça va être trop bien! Très bien! Allons visiter l'usine! Oh, n'oubliez pas d'utiliser le Star Code sur le Jumper! Wow. Mais c'est trop stylé! Ça a capté que j'étais un YouTuber Roblox! C'est trop bien fait! Eh, fallait me le dire que c'était ton pote, Willy Wonka! Ouais. Et bienvenue dans la rivière de chocolat! Waouh! Wow, c'est drôle, alors vraiment cool! On peut se balader pour regarder? Waouh, regarde la pelouse! Tu peux manger la pelouse? Les bonbons? Oh! Mais c'est tellement beau! Y'a des Wumpa Loompa! Ah, les Wumpa Loompa! Ah oui, ils sautent dans le. Dans la rivière! Regarde, Oompa Loompa. Eux, c'est ceux qui fabriquent le chocolat, c'est ça? Bah, ils travaillent dans toute l'usine, ouais. Oh, waouh. Incroyable, franchement. T'imagines, tout est... tu peux tout manger. Les arbres et tout. Oh, la cascade de chocolat. Oh, des Robux gratuits. Oh. Très bien, pour commencer, on va commencer avec un petit mini-jeu. Ça roule. Oh, la taille de la sucette, t'as vu? On va jouer à collecter les bonbons. D'accord, faut collecter un maximum de bonbons possible. Oh, les Oompa Loompa, ils sont trop stylés. Ça a l'air vraiment fun. Allez, c'est parti. Prêt? Ok, les bonbons, les bonbons, les bonbons. Vite! Faut cliquer dessus. Faut pas me faire virer. Faut combien? Je sais pas, il faut juste en avoir plein. Eh, mais on est d'accord, on se voit pas là. Non, non. Chacun son bon. Je cours. Pour un max de bons becs. Je sais pas combien j'en ai. Non, ils m'ont piqué les bonbons. Ah ouais, en fait, il y en a plein. Oh non, il y a trop de gens autour de moi, c'est pas bon. 3, 2, 1. Attention, c'est fini. S'il vous plaît. Oh là là, j'espère que j'ai assez de bonbons aussi, hein. Il vient de le dire. Bien joué, les enfants. On va voir qui a collecté le plus de bonbons. Ça doit être moi, c'est sûr. Vous étiez tous tellement lents. Et le gagnant est... Feu le jumper. N'oubliez pas d'utiliser ça au Star Code. Ah, merci. Attention, et l'enfant qui a collecté le moins de bonbons, et c'est bien long. Je suis désolé, gars. Tu dois rentrer chez toi maintenant. Oh, pas sympa. Ah, ok, bon, bah d'accord, bah j'y vais. Au revoir, monsieur Willy Wonka. Oh, il le ramène en bateau. C'est ça, en fait, ils sont vraiment éliminés comme dans le film. Non. S'il vous plaît. Oh, il est tout en chocolat. Oh. T'étais vraiment fait à regarder. Ah, bah sympa, elle. Wouah, t'as vu le bateau? Il est énorme, hein. Où est-ce qu'on va, monsieur Wonka? Nous allons au meilleur endroit pour les cadeaux. C'est une surprise. Ah, tu peux pas répondre à la question, monsieur Wonka? Je te le dirai pas. Ok,
d'accord. Ok, j'imagine. T'as pas intérêt à tomber, mec. Ah non, c'est sûr. Ok, bon, on est bientôt arrivé. Maintenant. Allez, c'est parti, attention. Wow, nouvelle zone de l'usine de chocolat. Oh, c'est le laboratoire. C'est pas ici qu'ils font le méga bonbon le plus puissant du monde? Ils font le chewing-gum repas, c'est ça, ouais, le chewing-gum repas. Trop bien. On va faire des expériences. Hey, bonjour, monsieur Manka. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle expérimentation et elle est bientôt prête à y tester. Ah, très bien, très bien. Les enfants sont là aussi. Ça veut dire quoi? C'est quoi une expérience? Ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. tout le monde, prenez un chewing-gum. Un chewing-gum? Allez, on va devoir en fabriquer un carrément. Artoud, prenez, vous allez voir, c'est des sensations incroyables, comme un trou dans l'univers. Non, c'est pas ça. Allez, maintenant, je ne peux pas lire la suite, mais allez-y, écoutez. Je détiens le record du monde du plus grand chewing-gum. Ah ben, ok, d'accord, mais je suis content pour toi, je suppose. Nous allons faire un chewing-gum tous ensemble, les enfants. Commençons, d'accord? Ça va être trop bien. N'oubliez pas d'utiliser le star code de Fear Jumper. Ah, c'est gentil, merci. Quel rappel, ça je... Oh, tu te vois toi, on est d'accord, hein? Oui. Très bien, vous allez être noté sur votre test. Si vous faites moins de 50%, vous rentrez chez vous. Êtes-vous prêt à commencer? Ouais, bien sûr, monsieur Wanka. Quel est le goût que tu veux? Moi, strawberry. Blueberry, moi. Ah, le strawberry, ça part. Donc, strawberry, c'est la fraise. Framboise. Fraise. Bravo! Ok, ça va, pour l'instant, on tient le coup. Comment tu veux qu'il soit? Grand, petit, insane, grand? Moi, je veux qu'il soit medium sweet. Je veux qu'il soit insane! Ah, comment? Ah, voilà. Ah, c'est 8 choix à faire. Là, on fabrique vraiment notre bonbon, quoi. Seulement ça? C'est pas terrible. Moi, il m'a dit que c'était pas trop mal. C'est assez pour moi, monsieur Manka. Quelle est la meilleure marque de chewing-gum? Eh ben, je dirais Wingly, moi, non? Bah, ouais, parce que Trident, ça me dit rien. Kit Kat, Mentos. Kit Kat, c'est pas un chewing-gum, hein, pourtant. Bah, non. Il y a des chewing-gum au Kit Kat! Bien joué! C'était Wingly! On y va pour l'instant. Je le savais! Vraiment cool. Je le sais, n'est-ce pas? Je suis vraiment trop fort. T'as vu la danse du scientifique? Ensuite, quelle est la plus grande marque de chocolat? Wanka! Wanka, évidemment. Direct. Ok, bien joué! Oui, bien sûr, c'est mon entreprise. Oh oui, monsieur Wanka! Oh. Vous assurez? Quoi qu'il en soit... Mars Monkey, ouais. Elle était la plus grande compagnie de chocolat. Ouais, c'est bien d'avoir donné l'info. Qu'est-ce qui n'est pas fait pour faire un chewing-gum? Je dirais pas de résine. Bah ouais, moi je dirais gélatine. Je sais pas ce que c'est. La gélatine? Gélatine. Ouais, c'est bon! Je me suis trompé! C'était la gélatine! Quel était le prix du chewing-gum le plus cher du monde? 5 700 $! Incorrect! Je me suis trompé! C'était 14 000! Oh 14 000 euros le chewing-gum le plus cher du monde! Mais attendez! Pourquoi c'était aussi cher? Parce que Britney Spears l'avait croqué. Ok, je vais présenter que tu n'as jamais dit ça, alors on va continuer à jouer. Waouh, t'imagines 14 000 $ sur chewing-gum? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'espère que tu as prêté attention à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, oui. Nous allons faire le chewing-gum le plus sensationnel et le plus... Flavorful? Flavorful, tu crois? Mind-blowing. Amazing, je vais mettre. What? Oui! Amazing! Le plus incroyable! Le chewing-gum le plus incroyable du monde! Oh, j'en peux plus, j'ai hâte de voir ça! Qu'est-ce qui vaut le plus d'argent? Le chewing-gum ou le chocolat? Moi, je dis le chocolat. Oh, attention! Ouais! Oui! C'était ça, c'était le chocolat! Quoi qu'il arrive, le chocolat remporte toujours. Oh là 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 là! Bien joué! Oh, s'il vous plaît, faites-moi plus de 50%. Bon, on a pris que un ou deux dégâts, toi et moi. Très bien, maintenant mon scientifique va vous noter. Attention! Oh! 88! 63! Et y a quelqu'un qui a fait 100%, s'il te plaît. Ouais, y'en a qui a fait 100%, pas mal. Eh, bien joué! Vous avez tous réussi à passer le test! Je crois que c'est le truc des écureuils. Où est-ce qu'on est, monsieur Wanka? Détendez-vous. Je vais juste allumer la lumière. Lumière! Avec ça, allume la lumière. T'as raison, c'est l'épreuve des écureuils. Quoi? Y'a pas un trou au milieu? Ah oui, c'est ça. C'est quoi cet endroit, monsieur Wanka? C'est l'endroit du tri des noisettes, évidemment. Ah, ne tombe pas dedans, c'est marqué, attention. Mais elle est tombée dedans! Fallait pas sauter dedans! Waouh, ça a l'air génial! Est-ce qu'on peut les rencontrer? Bien sûr! Voici... Les écureuils! Salut les gars, ça va? Ils sont trop stylés! Oh, ils sont tellement mignons! Ils sont beaux! Je sais, oui! J'adore mes petits écureuils! Ah, ils sont magiques, on peut aller dessus? Oh! Ils se déplacent! Il est parti! Oh, mon écureuil! Qu'est-ce qu'il a dit? Ils veulent voir si vous valez le coup ou pas! Ils vont nous trier comme des noisettes! Surtout, ne tombez pas dans le trou! C'est pas là qu'ils jettent les coquilles vides? D'accord, monsieur Wanka! Si, c'est ça, c'est exactement là! Ok, surtout ne pas tomber au milieu! On peut monter sur les étages, non? On peut carrément aller sur le côté? Faut voir s'il n'y a pas moyen de rattraper, mon livre! Peut-être sa bordure là! Ah non, on peut pas du tout monter! J'arrive! J'essaye! Vas-y, body block! Y'a pas de body block? Oh non! Oh, il balance des des noix, fais gaffe! Aïe! Faut pas trop rester près d'eux! Tourne en même temps, vers Space! Wow. Ah ouais, les noix... en plus, ça te pousse, hein! Super mal! Ça va aller! Mais aïe! Super mal! De ouf! C'est des pommes de terre ou des noix? T'as vu la taille des trucs? Aïe!
C'est des noix de coco. Mais ça fait super mal. Oh la vache. Ouais, sauter en continu, hein, sinon Non mais me dis pas qu'ils vont faire ça jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui tombe. Y'a moyen, hein. Parce que moi j'ai que 39 PV, hein. Bah moi j'ai 52, donc t'inquiète, on est tous dans le mal. Je crois qu'on a réussi. Oh, let's go. Ouais, on a réussi à passer l'épreuve. Ouah, j'espère que c'est fini maintenant. Enfin. Mais attends, mais qu'est-ce que c'était que ça? Ces noix font super mal. Bravo les enfants. Ok, ok, bon, très bien. Félicitations. Ouais. Les écureuils sont heureux. Quoi? Et maintenant, nous allons aller dans la prochaine pièce. Et n'oubliez pas d'utiliser le Stair Cut Jumper. Et attention, ne pas tomber dans le trou, surtout à ce moment-là, ce serait bien dommage. Bienvenue dans la simple planche d'expérimentation. Waouh, mais attends, mais ça sert à quoi cet endroit? Mais écoute, c'est très simple. Toutes nos expériences sont testées ici. Les enfants, vous êtes chanceux. Vous êtes les premiers à voir cette pièce en dehors de nous. Est-ce que vous voulez m'aider pour tester la dernière expérience? Ah, ouais, bien sûr! Mais comment on pourrait faire pour vous aider en fait? Eh bien, d'abord, on a besoin d'allumer cet ordinateur. Ok, on l'allume. Mais je suis vraiment pas très doué avec la technologie. Ah, il n'arrive pas à monter l'escalier. Si vous pouvez m'aider avec ça, ce serait bien, gamin. Voilà, c'est bon, t'inquiète. What? Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, ok, d'accord. Il y a des logos placés à l'endroit. Toi, ça va, tu devrais être bien là. Ouais, c'est pas si pire. Ça va, c'est tranquille. Hein. Il manque des pièces, non? Moi, je crois que j'ai des pièces en trop, hein, j'avoue. Ok, j'ai fini. Yes! Vous voulez terminer plus? Il reste, attention, 10 secondes! Bah, il est où le dernier logo? Il est en blanc. Il y a un logo Roblox en trop? Non, ils sont vraiment cachés en bas à gauche. Moi, j'ai confondu. Oh, je suis trop mal. Oh! Attends, terminé! Moi, j'ai réussi. Oh non! Ah, attends, je te revive. Attends, j'ai du chocolat. Attends, je peux te revive si tu veux. Je fais. Ah, d'accord. Du chocolat dans la poche. Tu l'as fait? Ouais, bien joué. Maintenant, nous allons utiliser la machine laser. Oh, oh, hein? Le laser. Faut peut-être l'éviter, hein. What? Je pense qu'il faut éviter ça. Je sens mal, Earthface. Attendez que les lasers fonctionnent, d'accord? Les lasers n'ont pas mal à fonctionner. Oh, j'aime pas ce que je vois. Le laser rouge, là, ça fait peur, hein. Jump over the laser. Attention, c'est mon cas, les lasers bougent. Bon, ça va, en vrai, si tu tournes autour... Attendez, les enfants, j'essaie de résoudre le problème. Attends, mais il y a une technique, regarde, pour se mettre là. Tu prends pas les lasers. Regarde là aussi. En vrai, ça va, c'est facile. Ouais, carrément. Monsieur Wonka, attention, les lasers tombent plus vite. J'essaye vraiment de réparer, mais c'est beaucoup trop dur. Il galère. Y en a des nouveaux là. Waouh! Ils vont trouver dans quel sens ceux-là? Oh, double laser! Il faut survivre une minute. Ça va aller. Ok. On peut pas monter sur le bureau? Ouais, on peut pas, j'ai essayé. Là par contre, les lasers se divisent, hein. Allez, ça va aller. Allez, encore 15 secondes. 15 secondes à tenir. Monsieur Branca, arrêtez tout. Je vais te découper en deux. Je vais me transformer en barre de chocolat. Wow. Mais attends, mais il est sérieux? Wow. Ça va encore plus vite. Oh, c'est bon. Oh là là là, il m'a fait peur. Oh, désolé les enfants, vraiment désolé. Rentrez chez moi maintenant. Je vais rentrer chez moi. Ok, d'accord, bon, très bien, partez. On va partir. Allez, hop, on s'en va. Je me souvenais pas de ça dans le film, hein. Ouais, non. Peut-être parce que c'était pas aussi. La partie revive en Robux et tout. Ouais, ça, oui. Puzzle. Ok, bon, bah, c'est le moment de quitter la fabrique de chocolat. C'est nos parents. Oh, papa, maman. Ils sont à droite, tes parents. On va se passer. Papa, maman. C'était terrible, c'était vraiment pas prévu. Je suis désolé. Vous allez voir, ça va le finir pour vous. Et c'est ainsi que VeoJumper et Overspace découvra... Mais quoi? Oh, attends. Découvra que Monsieur Wonka fut arrêté les prochains jours et qu'il finissait en prison pendant 7 ans. Et il passera ce Noël sans chocolat. Oh, sérieux? La mauvaise foi pour Willy Wonka. Et c'était Wonka Story. Ouais. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année, les amis. Oui. C'était vraiment très drôle. Les amis, on espère vraiment que cette story Roblox est extrêmement plus. C'est le cas. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un maximum de pouces bleus, de likes sur cette vidéo, de vous abonner, bien sûr, de chaîne YouTube. Et surtout, de ma part et de la part de l'Ospèce, on vous remercie encore pour cette année qui était juste formidable. Merci beaucoup, les amis. Incroyable, vous êtes incroyables. Et on vous souhaite une bonne année. Allez, bonne année, les amis. Ciao. Salut.